Il peut pas encore me le proposer, ce con. Je suis venu trop tôt. Merci de me faire apparaître sur les monstres, c'est appréciable. Et le fameux donjon 7. Donc le fameux donjon 7, hein, c'est pareil, je vais pas m'emmerder. La map. Donne-moi la map. Le fameux donjon 7. Alors, il y a des connexions. Alors. Si je vois au niveau de la map, il y a des connexions entre ça. Il y a une connexion ici, et c'est tout. Ok, donc c'est... Sérieux, j'ai raté ce truc-là? Bon, si j'ai raté ce truc-là, je sais que je suis vraiment débile. Sérieux, c'était là. Putain, j'ai raté ce truc là. Bon bah, c'est bon. Maintenant, je sais où aller. Ah, c'est bon, maintenant je sais où aller. Hein. Tout ça parce que j'ai raté un truc aussi bête que ça. Là, par contre, je me sens con d'avoir raté un truc pareil. Ah, je peux descendre ou je peux continuer? Qu'est-ce que j'ai en dessous? Parce qu'à la limite, je peux rusher la fin et puis voilà. D'accord. Donc j'ai fait ça pour de la merde. Merci le jeu de m'envoyer faire ça pour des nèfles. Ouais, t'inquiète, je finis le donjon, je vais chercher l'anneau, puis on va péter la gueule à Ganon, et puis voilà. Par contre, j'aimerais bien que tu me skippes les messages, parce que bordel, on se fait chier. C'est bon.
Oh, toi tu vas en merde. T'as pas intérêt à m'envoyer dans un endroit de merde. Allez. Ça tombe bien, c'est là où je voulais aller. Voilà, les 8 morceaux de Triforce. Bon. Donc deux choses à faire. Racheter un bouclier, prendre l'anneau rouge, péter la gueule à machin. Ouais. Truc qui me renvoie sur place. Bravo. Oh t'inquiète, je vais le finir là très rapidement, il n'y a plus grand chose à faire. Puis comme ça tu vas comprendre ce que je veux dire par quenelle de fin. Que tu peux aussi chercher très longtemps si tu connais pas le jeu. Et du coup je me retrouve avec deux clés supplémentaires, je sais pas à quoi elles vont me servir celles-là. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, pour Ganon, j'avais fait la première quête il y a 5-6 ans. Donc j'étais au courant pour Ganon. Bon, vous dire, j'ai trouvé avec un gros coup de bol. J'étais au courant, mais par contre le coup de la flèche, ça, je m'en souvenais pas, et c'était extrêmement crade. Voilà. Mais pour Ganon, j'étais déjà au courant. J'avais fait la première quête il y a quelques années. Mais le coup de la flèche, ça par contre, je digère pas. Enfin voilà, le coup de Ganon, tu vas comprendre, Skara, tu vas voir, c'est extrêmement dégueulasse. Hein. Le coup de... Bah où qu'il est le 9e donjon? Où qu'il est? Eh ben le 9e donjon, je vais te dire où est-ce qu'il est. Et tu vas crier au scandale. Voilà, le 9e donjon... Il est... Juste là. Non, c'est pas ici, c'est pas comme la première quête. Ou faut encore attendre au niveau du timer pour pouvoir le faire. Parce que c'est ça la connerie en fait. Ganon c'est le vieux justement au début du jeu qui te file l'épée. Il est au spawn, ouais. De souvenir il est au spawn. Alors après peut-être que je me gourre, mais de souvenir il est au spawn. Et ça c'est extrêmement dégueulasse. Le boss de fin en fait il est au début du jeu. Après, je vais vérifier vite fait, mais normalement c'est ça. Ouais, c'est ça, faut bien retourner. Faut bien retourner là-bas, mais faut attendre au niveau du timer. Ouais, faut attendre encore. Il faut attendre que ce soit entre 45 et 55. Donc, je vais voir si j'ai pas l'accélération officielle de Console Mania. Hein.
Ce serait bien. Config. Misc. Non, combinaison de. Plus, volume moins, load, reset, exit, clock. C'est quoi clock? On va essayer ça. Dans le doute, je fais une save au cas où je fous en l'air mon truc. Ouais, bon, d'accord. C'est pas ça. J'ai eu option. Il n'y a pas un bouton pour accélérer? Ah, si quelqu'un sait connaît le bouton pour faire une accélération sur l'émulateur, ça m'arrange. Hein. Qu'on perde pas 15 minutes à attendre connement, ça va être chiant. Speed. KP plus. Ah, voilà. Voilà. Accélération officielle console mania. Qu'on n'en parle plus. Non mais c'est bon, alors on y arrive. Je vais refaire une save au cas où ça merde le truc, mais normalement c'est bon, c'est une formalité. Et voilà. Ah non, en fait c'était pas le petit vieux, il a juste tabassé le petit vieux. D'accord. Waouh, musique custom! Ah non, je déconne. Hein. Voilà la musique où tu vas entendre juste 30 secondes du jeu parce que c'est directement le boss de fin. J'essaie de le bloquer dans un bon pattern. Et voilà, time. Voilà. Et voilà, c'est fini. En 4h47 minutes. Voilà donc Zelda, la quatrième quête, qui est plutôt pas mal hein, si on passe le détail dégueulasse de la flèche en argent qui est planquée au début du septième donjon. Les boules hein. Mais sinon, bon jeu, hein, très bon jeu. Juste le détail dégueulasse de la flèche en argent que je ne digère pas. Voilà. Alors là, je dois dire que c'est extrêmement dégueulasse. S'il te reste quoi que ce soit à faire pendant ce dernier temps, bah vas-y. Environ. Voilà. Tic. Tic. Voilà.
Et voilà. Le sub 5 heures, ouais. Donc mort deux fois plus l'heure en extra parce que j'ai pas eu le temps de finir le donjon 7 et le donjon 8. Donjon 7 parce que j'ai raté connement une entrée et le donjon 8 parce que voilà c'est du foutage de gueule la flèche en argent. Et c'est la fin. Voilà. Mais bon ça reste un bon jeu. C'est quand même un peu dégueulasse de la part de Nintendo le coup pour le donjon 8 de te mettre la... Enfin voilà. Le coup de mettre la flèche en argent au début du donjon et te foutre Ganon à la première cave du jeu en mode t'as 10 minutes pour le trouver sur la map, ça c'est extrêmement pute. Autant Ganon je m'en souvenais, autant la flèche d'argent ça me semble pas que ça soit sur la première quête. Mais en tout cas voilà, Scarra, tu sais à quoi t'attendre sur le jeu quand tu le streameras. Bonsoir Albert Musketeer, c'est dommage t'arrives pas du live. Parce que là, je viens de finir Zelda. Voilà. C'était donc Zelda. Enfin, BSX Zelda. Du coup, je vous laisse en mode fin sur la séquence d'intro. La quatrième quête du jeu. Ouais, ça j'avoue, c'est un peu la grosse baisse quoi. Tu finis le jeu ou que tu perdes, t'as la même musique. Et la même séquence de crédit. Voilà, et donc, comme c'était montré la séquence d'intro, en fait, c'est que t'avais un espèce de concours justement où celui qui réussissait à faire le meilleur temps et à finir le truc le plus vite pouvait gagner un prix. Voilà. Du coup, bonne nuit, Calfouette. Et bonne nuit Scarra. Je suis même bonne nuit tout le monde parce que moi je crois que j'allais dodo aussi. Oh ce jeu. Et voilà, c'est la fin. Donc moi du coup je suis joué, bonne nuit des bisous.